Il n'y a pas de slime ou de monstre géant en ville et personne ne sème la terreur à Hot Wheels City. D'accord, j'admets que ce n'est pas tout à fait une info flash. Oh, et les deux héros de la ville, Chase et Elliot, ont trouvé un nouveau boulot. Ils sont devenus livreurs pour Burger Dash. Ce qui, encore une fois, n'est pas exactement une info flash. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de slime ni de monstre. Un burger pour toi et un burger pour toi. Un burger pour toi et un burger pour toi. 370, c'est un record, vieux. Ha! 369, tu vas pas le garder longtemps, ce record. Fais attention, il vaut mieux pas défier le roi. Il comptait pas, celui-là. Je mangerais bien un burger. Avec une triple dose de cornichons. Vas-y, je te les laisse. Je préfère une double dose de fromage. Flash info exclusif. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le slime et les monstres. Il y en a plein la ville. Vous feriez mieux de vous mettre à l'abri, les jeunes. On a une alerte popo de niveau 2 en ville. Je crois que je sais ce qui est arrivé à ce pigeon, chérif. Cornichon. Non, je peux vous assurer que c'est pire qu'une simple allergie alimentaire. J'ai trouvé des barils pleins de slime à Burger Dash. C'est sûrement des restes de la fois où Draven a slimifié toute la ville. Et nous, on a livré plein de burgers slimifiants sans nous en rendre compte. Ce pigeon a dû en avaler un. Attendez une petite seconde. Burger Dash livre à domicile? Ça, c'est bon à savoir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un très très gros oiseau à maîtriser. Il faut qu'on récupère tous ces burgers au plus vite avant que quelqu'un ne les mange. Cornichon. Les policiers sont canardés. On a besoin de renforts et je sais exactement à qui m'adresser. Cornichon! Wow! Comment avez-vous fait ça, Queen? Bifurcation du continuum espace-temps. Ah, ok. Ouais. J'avais compris, mais je demandais pour Elliot. Cornichon! Qu'est-ce qui vous arrive? Ça. On aurait bien besoin des conseils d'une astro-ingénieure pragmatique dotée d'un cerveau fantastique. Déjà, il faut qu'on capture ce volatile. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Comment vous avez appelé ce gros rayon bidule de l'espace, déjà? C'est un rétrécisseur de mutants aviaires interdimensionnels. Quoi? Vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire? Un rapisseur à pigeons. C'est tout de suite plus accrocheur. Enfin, je trouve. Il va falloir que vous attiriez le pigeon dans un endroit dégagé pour que je puisse le viser. On s'en occupe. Hé, hey, la cervelle de moineau! Tu dois avoir faim! Tu veux encore un peu de slime? Éloignez-le de tous ces bâtiments! Je sais exactement où je vais l'emmener! Un endroit absolument irrésistible pour un pigeon! T'as vu ça, le rat volant? Une belle statue toute propre! Tu sais ce qu'il te reste à faire? Il est beaucoup plus mignon quand il fait cette taille. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce slime? Cornichon! Et pour Elliot? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous aider. Quelqu'un qui connaît le slime mieux que quiconque. Quoi? Oh non! Attendez, vous n'êtes pas sérieuse?